passe au pur MC comme currency. On aime les gros niasses, cuirassés, le cognac, Hennessy. Ces connards d'MC carencés arrivent même à se faire niesser et vendre des disques. Dans le morceau Incognito, ouais, tu dis j'aime certains rappeurs, mais j'aime. Jamais je lèche leurs fesses. Donc tu dis que t'écoutes Carice et Sadek. Ouais. Donc je voulais savoir. J'ai dit découpe ton MC préféré en feat au lieu de caresser sa bite. Ouais, aussi, ouais. Voilà. Quand t'aimes bien un artiste, au lieu de liker ses photos comme un sursu, gros, où tout le monde te crame et que tu montes ton. T'as un truc en tête là, tu fanatisme. Quelqu'un. Non, il y en a plusieurs qui le font, ça. Moi, ça me dérange en fait. Non, mais je parle du rappeur en question ou du. C'est toi qui as quelqu'un en tête. Non, mais c'est personne en tête, parce que comment tu le dis, on crame et tout quand ouais, tu likes ton rappeur. Ouais, j'aime pas moi ce truc là, un peu le fanatisme et tout. J'aime bien quand le truc il va dans les deux sens et au lieu de flatter la personne. C'est bah invite-le en feat et au lieu de l'aduler, bah fais un morceau où tu essaies d'être meilleur que lui. Mmh. Je trouve que c'est ça. Ah ouais. Ou bien après j'aime certains rappeurs mais je leur lèche pas les fesses. Mmh. Mais je peux dire qu'un artiste. Tu peux dire qu'un artiste il est fort sans lui sucer la bite. C'est juste un échange de force en fait. Qu'est-ce que tu veux dire? Moi j'aime bien moi quand un artiste. Il dit dans un interview, ah j'aime bien ce qu'il fait cette gecko. Et ben après, je dis, ah bah lourd, c'est-à-dire que si je l'invite pour un featuring, il sera là. Justement, tu cites deux rappeurs, donc Carice et Sadek. Ouais. J'ai envie que tu me cites, est-ce que tu serais capable de me citer des rappeurs que t'aimes bien? Ouais, j'aime bien Hamza, de ouf. Ouais. Lino aussi. Après, les artistes, ils sont bons, mais il y a du bon et du mauvais dans ce qu'ils font. Mmh. Tu vois, je veux dire, il y a des bons morceaux, il y a qui que j'aime bien encore hein. Ben, j'aime bien Al Capote, là, comment ils font. Ah, j'aime bien 13 blocs, frère. Je te cache pas que 13 blocs. Ils m'ont bien fait kiffer avec leur CD Violence Urbaine. Violence Urbaine et. Il y a un truc comme ça, trois mots. Il y a trois mots. Lourd de ouf, gros. Tout le CD. Bah, tu vois, c'est pas du tout dans ce que je fais moi. Mm-hmm. Mais l'ambiance, en plus, ça me rappelle une période de ma vie que j'aimais bien. Je m'étais installé, un nouvel appart, tout ça. Et c'était Kennedy qui me faisait écouter. D'ailleurs, on écoutait ça dans son auto, on faisait des longs trajets, on se bousillait. Ils sont là les vrais négros. Ouais, ils sont bons. Non, ils sont bons. Moi je kiffe. Le crabe du sud, c'est bon, ouais, pas, Chicago. Non, ce truc-là, c'est les meilleurs. Ouais, ils ont l'attitude, ils ont le truc, ils sont crédibles, tout, loin. Je vais... T'as fait un morceau avec Lino, t'en avais fait un dernièrement. Lino, Despo, et toi. Ouais. Et là, t'as fait un nouveau morceau avec Lino, dont le clip t'a clippé hier. Ouais. Et dedans, Lino, il a une phase, il dit. 2016 c'est mise à jour, peut-être mettre de l'autotune dans mon vin pour draguer la fanbase à Jules. Toi dans ton album, pas d'autotune, mais on a l'impression que l'autotune c'est le méchant, c'est le grand méchant lourd. Non, mais j'ai essayé moi sur certains titres, ça fonctionne. En fait, faut pas avoir à en rougir, ça apporte un truc. Mais c'est pour ça. Aujourd'hui, les instruments elles sont minimalistes. Ouais. C'est de la trappe. Ouais. Y a pas de mélodie, frère. Moi, de l'époque de laquelle j'ai rappé, c'était des samples. D'accord, les samples, il y a une âme, il y a de la soul, il y a de la mélodie à mort. Donc le rappeur, tu devais que kicker. Un rappeur, il kick, c'est rapper, c'est ça, rapper. Quand tu chantes, t'es pas un rappeur, tu chantes, t'es un chanteur. Maintenant, quand le mec, il prime de la trappe, il n'y a pas de mélodie. Donc la mélodie, c'est l'artiste qui doit l'amener pour donner ce côté mélodique à la musique, tu vois. Donc il y en a qui le font bien, et ça tue, tant mieux pour eux. Moi, j'ai essayé de le faire sur certains titres ou pas, ouais. Parce que des fois, pour pousser la chansonnette, en fait, ça t'évite de faire des fausses notes. Et quand t'as un peu honte un peu de chanter, d'essayer, bah, ça camoufle un peu, ça fait un effet sur ta voix qui fait que tu abordes le chant à petits pas, tu vois, pas à tâtons, on va dire. Ouais. Mais je suis pas contre, mais j'ai fait un morceau qui s'appelle Sale temps pour un cabot, non, mais c'est pas de A à Z. Oh, non, mais tout fini. J'aimais bien la phase de Lino. Non, mais s'il veut dire que. Si tu veux marcher, t'es obligé de mettre de l'autotune, d'adoucir tes propos et de mettre un peu d'autotune et pour essayer de. Ouais, mais il a pas tort. Donc aujourd'hui, rapper le rap, aujourd'hui. Ah non, ça se fait moins. Le rap, c'est. Le seul petit qui kick quand j'entends, il kick. Ah non, j'aime bien aussi Kalash Criminel. Ouais. Et Nino. Ouais. Et Nino, il kick. Ouais. Ah lui. Et Kalash Criminel, il arrive à te sortir une punchline par couplet que j'aurais bien aimé la sortir avant lui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, du bon boulot. Mais c'est bien. Là, cette fois-ci, cette nouvelle génération, dans l'écriture, il y a du contenu. Là. Mmh. Et ils sont pas, dans l'attitude. La vague d'avant, ils étaient plus, ils ont ramené un truc, une énergie, tu vois. Eux, ils apportent un truc, un nouveau truc. C'est comme s'ils avaient retenu la leçon de se dire, ça a été critiqué, ils essaient d'apporter un truc, une plume un peu plus riche, tu vois. Et j'aime bien. Tu sais, quand tu me parlais des rappeurs que j'aime bien. Ouais, bien sûr, mais j'imagine qu'il y en a d'autres. Tu vois. Non, mais Nino, il kick. Ouais. Là, lui, il apporte le truc, ouais, je kick. Ouais. Tu vois. Grave.
Et justement, dans ce morceau-là, ce qui est bien, moi j'ai beaucoup aimé le morceau de Clino, c'est que c'est un morceau très rap français. Ouais. Rap français. Ouais, mais rap français qui sonne Queens, New York. Ouais, quand voilà, le rap français s'inspirait de Mobb Deep, voilà. C'est voulu. Du piano, c'est voulu. Mobb Deep et tout. C'est voulu. Ouais, et tu me parlais encore un titre avec Lino, bah ouais, ça fait 10 ans on se connaît. Ouais. 10 ans que moi et lui on nous invite, on a fait 7 morceaux ensemble, mais jamais tout que nous deux. En fait, on a toujours donné de la support à des autres artistes parce que tu sais très bien que tu invites Lino, eh ben, il va faire de la technique et de la punchline. Tu es sûr que si tu invites 7 aussi, dans un 16 mesures, je vais t'en lâcher 2-3 punchlines, tu es content. Tu vas faire gaulerie tout le studio et dire oh le bâtard, il est hardcore 7. Et comme moi je suis le blanc de service, j'ai le droit de les sortir ces trucs un peu. Tu sais, beat cul chat, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ces trucs un peu. Barlou. Ouais, c'est ça, un beauf peut être un gros barlou et vice versa. Et t'as fait, et donc là, d'ailleurs j'ai bien aimé le morceau avec, avec Despo aussi, il est super chaud. Ouais. Enfin, je trouve que vous avez bien raconté. Ouais, là, et Despo, aujourd'hui, enfin, est-ce que t'as écouté son album déjà? Je me suis concentré sur notre morceau à nous deux et j'ai écouté, ouais, il y a des morceaux de ouf hein, dans l'album de Despo. Hein. Et surtout avec cette couleur-là, que je te reparle bien de New Yorkaise de l'époque, deep, comme quand on était arrivé avec Trafic de stéréotypes et tout, bah, j'ai retrouvé cette ambiance de ouf dans son Bomal My Jester. T'as écouté l'album pas entier, je l'ai pas écouté, genre je prends un casque, je décortique les punch et tout, j'ai pas fait cette écoute là. J'ai beaucoup de trucs à décortiquer dans ouais, son album, c'est très ouais. Bien. Mais moi j'ai écouté son morceau avec Caris aussi, il en a sorti une bien bonne, Despo. Il dit ouais, lécher la chatte c'est comme ramasser ou lâcher un sushi qui était sur le sol d'un coiffeur, tu vois. Il m'a fait glorifier, c'est Despo, magnifique. Dans l'album, tu vois, on ressent une certaine amertume un peu envers le rap français. Bon, t'en parlais tout à l'heure au début de l'interview, ça fait longtemps que t'es là, enfin, il y a tout ce truc de manque de reconnaissance, on va dire, un tout petit peu, entre guillemets. Ouais, parce qu'il y a quelque chose de... Nous, on donne de la qualité, j'estime apporter de la qualité. Mm-hmm. Et celui qui n'arrive pas à la lire, ou là, tu peux ne pas aimer ma voix ou pas aimer ma gueule, mais le travail, il est là, frère. Dans l'image, il y a du travail, dans l'écriture, il y a du travail, dans le choix des morceaux, il y a du travail, dans le choix des featuring, il y a de la recherche et tout. Et le travail mérite salaire, gros. Ouais. Et je trouve pas que j'ai le salaire du travail que je donne, c'est mon humble avis. Mm-hmm. Et voilà, tant que moi, je suis là, je suis dans mon combat, moi, c'est de faire du bon rap, en fait. Maintenant, je suis conscient de me dire ce qui est rare et cher, et ce qui est... Et ben voilà, j'essaie de l'orfèvre. Ce qu'on fait, ben c'est, y en a pas beaucoup qui écoutent, c'est pas tout le monde qui connaît. Les gamins, je m'en fous en fait. Je les vois moi, je vois ce qui se passe, gros. Quand les mecs font des séances de dédicace, il y a que des gamins du collège, gros. Moi, je fais du rap de cours de promenade. Eux, ils font du rap de cours de collège. J'ai pas envie moi d'avoir des gamins des gamines. C'est bien, c'est Club Dorothée, ils ont le pouvoir d'achat, mais même pas, frère. Tu regarderas là cette génération de petits geeks. Ils like, ils cliquent, ils regardent tes clips. Mais des fois, ils soutiennent pas l'artiste. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et les gens, ils se contentent trop au nombre de vues YouTube. Mais c'est pas ça, gros. Moi, je sais que je fais des gros sommets, des gros titres comme la maître de cérémonie. Il peine à faire son million, par exemple. Alors que le morceau, tout le monde, j'ai dit, ils appellent de tout le rap français à me dire ouais, lourd. Enfin, il y en a un qui revient avec un boom bap à l'ancienne et tout, comme tu avais fait sur Titi Parisien, on dirait le même esprit, mais avec un autre titre de morceau et tout. Et pourtant, il fait pas des vues. Et quand je fais un morceau un peu trap avec un feat d'un mec un peu plus jeune que moi, on tape des 7 millions de vues. Donc en vrai, ça veut dire que c'est pas la qualité qui fait les vues alors. Quand t'as un autre artiste qui est un peu plus populaire que toi, et quand moi je fais un truc solo, mais qui est plus solo, donc plus penché sur l'écriture, il y a des recherches dans des morceaux, il y a des cœurs de cible, on essaie d'atteindre des autres objectifs, tu vois. Et quand j'essaie de faire le truc, ouais, le texte le plus mieux écrit, où je me suis plus cassé la tête et que c'est fluide et tout. Non, mais ça fait longtemps que c'est fini ça. Mais non, mais faut que ça revienne. Mais non, c'est ça le peu rap, gros. Bien sûr, c'est ça le peu rap. Mais putain, le rap, les mecs, c'est public ennemi, fight the power, gros. Pas du zouk, frère. Même si ça, c'est ta culture musicale et tout. Moi, je viens de faire du Claude François, moi, quand je fais du rap, pour moi, frère. Je viens de faire Gérard Lenormand ou Patrick Juvet, gros. Arrêtez, gros. Il y a Val qui a fait l'Eurotrap cette année. Il fait de l'Eurotrap, Val. Non, mais ce que je veux dire. Faut avancer avec son temps, j'ai envie de te dire. Mais j'ai fait des morceaux d'actualité. Non, mais c'est pas des tasmines ou quoi, mais le discours de. Toi, pour moi, c'était avant. Ouais. Aujourd'hui, maintenant, c'est. Non, faut servir des jeunes pour leur donner, te donner de la visibilité. Et dans ta visibilité à toi, les gens te découvrent et découvrent un autre rap, frère. Ouais. Moi, aujourd'hui. Et je suis content et fier que je fais de la musique qui plaît aux trentenaires. Mmh. Et ça veut pas dire que je dis que les 2000, c'est des débiles, frère. Mmh. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais il faut les éduquer. On est là pour être le rôle de grand frère. Et tu sais très bien que quand les petits frères, ils s'écoutent qu'entre eux, ils font que des conneries. Ben là, ils sont en train de faire une grosse connerie, frère, avec la musique. Ils sont en train de jouer avec un patrimoine qu'on leur laisse
ils font nimpe avec, gros. Mais pour moi, c'est un cycle, pour moi. Ouais, ça va revenir, bah, c'est génial. Donc, alors, j'ai pas tort de continuer à faire des morceaux riches. T'as un morceau qui s'appelle Vodka Magra. Ouais. Tu peux nous expliquer, ça fait quoi le mélange de la vodka et le... Ça fait des... Ça, c'est ce que les mecs en Thaïlande, ils prennent à mort quand ils sont complètement bourrés pour essayer de tenir une érection en étant défoncé à la tise. Ben, ils cèdent de la confiture pour adultes, quoi, le camagra. Là, c'est le mix des deux, c'est la vodka magra. Ouais, j'ai vu ça. Mais le morceau, déjà, il est super lourd, mais enfin, parce que c'est peut-être pas tout le monde qui connaît un peu ce produit-là. La vodka, c'est de l'alcool polonais. Ouais. Et le camagra, c'est des trucs qui diffusent. C'est un gel vasodilatateur qui fait diffuser le sang dans toutes les muqueuses ou qui se gorgent de sang. Donc ça te fait bander avec une bite en fer à plus longtemps que prévu. Mais ça te fait aussi gonfler la tête, les muqueuses du nez, les oreilles qui chauffent, tout. Donc ça fait mal à la tête quand même. Donc il y a un petit effet secondaire. Ouais, j'ai appris. Je consommais ce truc-là. À l'époque, je faisais des tartines. Je te dis, c'est de la confiture pour adultes. Ah ça, ouais. C'est quand t'as envie de laisser une meuf en croix sur le lit, elle est éclatée comme ça, frère. T'es dit, allez, faut lui faire, elle mérite son camagra. Là. C'est pas tout. Quand t'es avec ta femme, t'as pas besoin de camagra. Tu vois. Le meilleur des camagras, c'est l'amour, frère. Quand t'aimes une femme, c'est là, t'as les plus belles érections. C'est quand t'as les fluides, ils s'échangent et c'est beau. C'est du coup, au moins, t'as pour être tout ça. C'est magnifique. Ah. Les dernières questions, c'est pourquoi ton foutu disque d'or ? Donc, je sais, t'as du roro partout, là. T'as peut-être pas besoin du disque d'or, mais je sais qu'on... Ouais, je suis tatouage d'or, alors, je suis tatouage d'or. Tatouage d'or, ouais, voilà. Là, c'est clair, même place. Ouais, alors je vais t'expliquer le sujet du disque d'or. On l'a sur Professeur Punchline, on a 40 000. Il nous en manque 10 000. Avec le streaming. Non, on a à 40 000 avec le streaming. Ok, d'accord. D'accord. Et c'est même pas grave, en fait, ça va faire quoi aujourd'hui ? Ils me font pas rêver, les artistes qui font le disque d'or, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Moi, ça avait une valeur sentimentale de ouf. Je suis un artiste, ouais, c'est ça, j'aurais c'est aimé le poser. Tu sais, c'est la concrétisation. Tu sais, la musique, c'est du vent, en fait, tu vois. C'est dans l'air, c'est ça fait l'ouïe, tu vois. Là, t'as quelque chose que tu peux accrocher au mur de ta mère. Elle se dit, c'est pas concret pour une maman de dire, je suis un rappeur, je chante, ou je suis en train de taffer, là. Je suis en train de te... Chut, tais-toi, j'écoute ma musique au casque, ou quand ta meuf, elle te voit écrire ton texte de rap, et elle comprend pas, elle te parle, et tu dis, je suis dans ma bulle, laisse-moi dans ma bulle. Ces gens-là, quand tu viens, tu ramènes ce trophée-là, je pense qu'un artiste, il a besoin de... C'est une valeur sentimentale, tu vois. Ouais, c'est une sorte de diplôme, de trophée, quoi. C'est le diplôme, exactement. C'est un diplôme, quoi. Pour voilà, dire, et en vrai, il y a des mecs qui n'ont pas de diplôme, et qui ont tout enculé dans la vie, qui se retrouvent aujourd'hui PDG, et qui ont créé leur société. Donc en vrai, voilà, je l'ai eu cette course, hein. Sur Professeur Punchline, j'ai essayé de truquer et tout. Mais voilà, j'ai préféré tourner la page et partir sur un nouvel album. Sinon, j'allais faire une réédition, truc et tout. Je préfère fournir au public qui me dit, j'ai une basse fan. Ça fait déjà 3 CD que je fais les 40 000. En fait, c'était 35 sur Michto, 37 sur Bad Cowboy et 40 sur truc. Donc à chaque fois, ça augmente un peu. Ben, ça arrivera peut-être un jour ou pas. Mais voilà. De toute façon, la finalité, c'est quoi ? C'est de bien vivre finalement. Parce que des fois, il y en a qui ont des disques d'or, mais qui n'ont pas rentabilisé, qui ont dépensé plus qu'ils ont gagné. Donc finalement, J'ai jamais été dans ça. Moi, je suis un. Donc, au final, c'est. Regarde, j'ai pas dépensé mon argent dans les boîtes de nuit, ni dans le champagne, ni dans les grosses voitures, ni dans les putes, ni dans les conteneurs de camagra. Et je suis bien, moi. Tant que je peux remplir les frigos pour mes enfants, ils sont dans un confort. Ils peuvent aller à la piscine tous les jours et que ma mère elle est contente, qu'elle prend ma carte quand elle veut, elle fait les courses qu'elle veut quand elle veut. C'est ça. En vrai, j'ai envie de te dire un vrai truc. Le disque d'or, les gens après, ils pensent que t'es très riche en France. Ouais. Et une fois que les gens pensent que t'es riche, t'as beaucoup plus de problèmes qu'avant. Et des fois, je me dis, je suis bien sans mes problèmes, moi en fait. Des fois, quand je vois les problèmes, les trucs de racket qui se passent sur certains rappeurs, qui se passent autour de leur sécurité, etc., on la connaît l'histoire et tout, je me dis finalement. Je suis bien comme ça, j'attire pas l'œil des gens, j'attire pas la jalousie, on m'envie pas. Voilà. Le vrai aussi, de toute façon, c'est que la famille soit bien en vrai. C'est tout. On bosse pour la famille. Voilà. Dernière question, cette gecko et le cinéma. Écoute, ça y est, ça se concrétise. Là, il y a un bon petit rôle qui se décroche que je tourne en février, mars, avril, en Thaïlande, sur une équipe de 5 jeunes qui ont fait un braquage 15 ans en arrière. Il y en a certains qui sont partis en Thaïlande et il y en a un qui est béton en prison, il sort 15 ans après. Il veut sa part du gâteau, mais le gâteau a été mangé. Et il y a une guerre qu'on n'a jamais vue qui explose en Thaïlande. Et guerre de gang, de cité, trucs comme ça. Et certains ont ouvert des chichas, l'autre il a un bar à gogo. Le mec il revient, il dit mais vous avez tous des business et moi il est où mon genre, etc. etc. Et ça canarde.
Et toi, t'as le rôle principal dedans? Un second rôle. Ouais. Et ça, c'est inspiré d'histoire vraie ou c'est... Bah, moi, en tout cas, le rôle qu'on me donne, c'est l'histoire de ma vie, en fait, ça qui tue. Le rôle du mec, en fait. Après, je suis pas un ancien braqueur, moi. Ouais. Hein, si j'ai braqué quelque chose dans ma vie, c'était les maisons de disques. Juste comme ça, bon. L'histoire, elle est bien, elle pourrait être vraie. Ouais, mais ça tue, c'est bien le truc. Donc, on va voir ce que ça donne. Je suis sur le scénario, je suis en train d'apprendre les paroles et tout, etc. Et tout. Et on verra. Après, ça peut ne pas se faire parce que je peux avoir un accident, c'est parce que la vie est faite, tu vois. Mm-hmm. Mais je me le souhaite pas, mais voilà. Mm-hmm. Normalement, c'est dans les tuyaux. Donc, c'est une grosse production. Inch'Allah. C'est Canal Plus, tout, c'est truc, bordel de ouf. Ouais, okay, oui, gros budget de ouf et tout. T'as pas encore tourné, c'est. C'est ça tourne après, ouais. Ok, d'accord, mortel. C'est bon pour moi, c'est. Merci. C'est toujours un plaisir. Merci de m'avoir consacré un peu de temps pour donner le temps. Tout le plaisir est pour moi, mon ref. On se retrouve l'année prochaine pour le prochain album. En 2017. Voilà, 17. On aura un nouveau président aux États-Unis et en France. On fêtera peut-être ce disque d'or ou pas. Je te le souhaite en tout cas. Voilà. Vas-y. Salut, mon ref. Dieu. Je dirais pas ce qu'ils vendent, mais tous les polos se tremblent. Ouais. Et se collent aux jambes comme des scolopendres. Vous écoutez que de la merde, bande de skytophiles. J'rappe pas pour plaire aux gamines. Vole pas dans mes rimes, non. Vole pas dans les plumes d'un ptérodactyle. Ton rap à deux Francis, on le met un rap de pédophile. Mon rap c'est de la drogue dure, il suffit d'une ligne. J'ridiculise les MC, j'fais des Laurent Baffy featuring. J'viens d'en bas, mais aujourd'hui, c'est moi qui culmine. J'prends le micro, j'ai le cœur qui bat.